Et salut à tous, c'est Blood of Devil et aujourd'hui on se retrouve. Tire-toi Arkham, mais là il se croit où? Bon, on se retrouve pour le deuxième épisode de Metro 2033, mon playthrough, mon tout nouveau playthrough que j'ai commencé. Alors je m'excuse juste pour le premier épisode qui est un peu sombre, mais les prochains ne sont plus, plus trop sombres. On verra plus. Les trucs autour. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo et commentez si ça vous a plu. Monsieur, ah, il doit y avoir une petite réunion. Alors, on va essayer. Ok, mon petit marchand d'armes. Salut. Mais pour l'instant, j'ai pas de fric. Oh. Ici. Je te prends celui-là si tu veux, d'accord. Bon, allez, on continue. Où est-ce qu'il faut que je vais, toi? Mais j'ai pas de. J'ai pas d'argent. Allez, avance, ivrogne. Ah voilà. Prends-en, toujours utile. Logique. C'est un remède pour tout. On s'en fout. Ouais. C'est toi qui vois. Écoute ce que je te dis. Des pieds de porc. Lui, c'est un marchand. Échange de balles. Le meilleur taux de tout le métro. Impossible de trouver mieux. Ah, t'as une voix d'un mec un peu dans le film, on dirait. La semaine dernière encore. Bon, je vais m'acheter la nourriture. Au cas où, où il est là. Qu'est-ce qu'ils vont? Rien. Sans trace. Je vais lui acheter les munitions. Toujours utile. Excellent choix. Dorian ne peut une bonne arme. Bien meilleur. Top là. Même quand on a quitté le tunnel, il a pas dit un mot. Voilà. Comme tu voudras. Fraîcheur garantie. Approchez, faites votre choix. Bonjour Artyom. Il te faut des armes? Ouais, il m'en faut, okay, s'il te plaît. Un peu. Mitraillette, calibre 5.45. Ouais, ça, fabriqué ça me plaît, à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. T'es un spécialiste, toi. Tu me la donnes. Toujours de courte rafale, Artyom. Ok. Prends quelques munitions aussi. Ouais, bah ouais, merci. Voilà un chargeur universel. Ah. Les batteries. Ça, c'est cool. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Ou, Dieu te garde, mon tension. Des trousses de secours. Ouais, bah oui, aussi. J'en ai acheté tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok, te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord? Alors, on va viser en premier la chaussure. Ah oui. Oh, le nounours, là, il est plus marrant. Pouf! Putain de nounours! Lui là! Et what's your point? Suspense, hein! De bébé. Voilà, bon, allez, c'est bien. On va y aller, on va pas tout user mes munitions sur ces trucs là. Ça y est. Alors après. Salut. Qu'un jour on reverra la surface. J'espère pour toi. J'ai jamais vu Moscou. Alors ça, ça vous sert à regarder ce qu'il vous offert. Hein. Salut. Musique toi. Ça va bien. T'es prêt à y aller? Bien. Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec les gars. Moi, on se dépêche. Ok, c'est bon. Artyom. Salut. Artyom ici. Je vous salue. Alors, vous êtes prêts à y aller? Vous êtes prêts? En avant! Imagine, ton invention est l'accessoire numéro 1 pour les meurtres dans le monde. Quelle est la situation, ce gars? Que d'être le docteur Carl. Mieux calme, tout va bien, on passe tout de l'heure extérieur. Toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié? Bon, t'as le matos? Allons-y! Et nous voici dans le métro. Les mecs, vous allez à Riga? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps.
Je peux le faire. Mais il y a intérêt. Lui, il le fait déjà. Lui, il fait le levier et bah, il fait la manche là pour freiner et nous, on fait le levier. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Ah, allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon. Toi, tu fais rien, toi. Vous êtes prêts à être enfin ailleurs ? Waouh ! Artyom ! Enfin libre ! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa ! Ouais, c'est une petite partie est passée. Encore mieux, non ? Moi, je fais ça avec plaisir, tout ce qu'on me dit, c'est bien. Je fais des backgrounds aussi, que maintenant. Je quitte la sécurité de ma station d'origine. Dites-moi si vous en voulez un, vous m'envoyez un message ça privé, me voilà. De ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Voilà, alors, dites-moi aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit, mais si vous voulez que je passe quand il parle alors, beaucoup ou pas. D'où vous venez ? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays alors ? Go, go, go ! Ouais, le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. Oh, je me tords la tête. Je fais tout le tour. Wow. Ouais, de Hanza. J'aimerais bien conduire ce truc. Comment ça ? La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Mais pareil, vous. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Tu t'as écrasé, toi. Ralentissez, les gars. Peter, qu'est-ce qui se passe? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Ok. Oh, merde. C'est pas grave. Je déteste ce tunnel. Moi aussi, mais c'est pas grave, hein. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel ? Ben, c'est un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Bon, je l'aime pas, c'est tout. Et toi, bien sûr, tu fais rien, hein ? Bon. Franchement, je kiffe ce jeu. Qu'est-ce que t'as à me regarder, là ? Pourquoi tout le bon voyage. Ouais. On est sur une drésine et on est armé. Allez. Donc on devrait y arriver. Et on masque. Non. Je préfère pas le casser. Pour l'instant c'est vert à ma montre. Bon regardez. Sang. Ma tête me fait mal. C'est bon. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Il y a un machin là qui court. Ok, Eugène. Aide-le, on ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Regardez. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Il me faut pitié. C'est quoi ce machin ? Il ? Mais qui ça, il ? Vous les entendez pas pleurer ? Comment ça, pleurer ? Mais de quoi vous parlez ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Boris ? Boris ! Merde. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh ! Ma tête ! Artyom ! C'est quoi ? Oh putain. Que s'est-il passé ? Ah, j'espère qu'il y a quand même un peu d'action dans ce... cet extrait, hein. Par ici ! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh non ! Non, non. Pourquoi il me tue pas ? Tue-moi ! Il n'ose même pas me tuer. Ah.
Réveille-toi là, allez. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais réveillez-vous! Regardez les rats. J'espère que vous les verrez dans la vidéo. Boris, réveillez-vous! Boris! Merde! Oh putain. Ah mon dieu! Oh non! Merde! Oh! Déchiquetation de petites bébêtes! Tiens, crève! Merci! Voilà, t'es pas mort. Bam, et tu ne t'approcheras même pas. Là-haut. Économise tes munitions, Artem. Économise tes munitions. Ouais, bah, ouais. J'économise pas trop, moi, hein. On est presque au barrage. Encore. Oh putain, merde. Merde, 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 merde. Mais je vais me cacher, moi. Oh putain. Oh putain. C'est bon. Oh putain, ils arrivent. Les mecs, vite. Oh, c'est moi. Oh merci. Oh t'es chaud toi. Oh une valise. Oh putain c'est quoi cette bête? Oh, ok. Ah, merci les mecs. C'était chaud. J'ai besoin d'un verre. Tu penses qu'à ça toi, hein? Oh là là. Chapitre 2. La station Vega n'était que le premier arrêt de mon voyage. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous... De retour au bar. Ouh, un petit signal. Bon, les gars. Salut. Trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom. À moi. Artyom, à toi. Je bois dans un verre vide. Je dirais rien. Mais je l'ai dit. Franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ou au moins des munitions. Tiens, prends-les. À ta santé. Il boit dans des verres vides, hein. Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile. Et Artyom. À toi. Moi je résiste à l'alcool, tranquille. Vous allez pas résister, regarde toi là. Commence à pencher. Et toi, elle tape cette vodka. Tu rotes, t'es chaud, t'as de la barbe, tu vas pas résister. Allez, raconte. Le tunnel vers le marché est fermé, je m'ennuie à mourir à rester planté là. On a franchi une sorte d'ombre invisible. On s'est tous évanouis. Quand j'ai repris connaissance. Merci, mon ami. Il nous a vraiment sauvé la vie. Bon, moi, je vais me promener. J'ai mes droits. Laissez-moi sortir de la station. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? C'est toi, Artyom? Oui. Je m'en fiche. Il y a un homme là-bas qui t'attend. Il est du genre qui fait peur. Et ils sont pas bons non plus. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Merci, on y va! Ouais, attends deux secondes, toi.
Allez, j'y vais, j'y vais. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il est là, le petit. Oula, lui, il sent mal, lui. Il y en a qui dorment là-dedans. Ok. Là, là, ça lag un peu là. Suis-moi. Ça bug, ça bug, ça bug. C'est celui qui est assis là-bas. Ok. Bon, j'y vais. Approche. Salut. C'est donc toi. Ah, je vous ai prévenu. Assieds-toi. Dans ces premiers épisodes, il y aura pas beaucoup d'action, hein, franchement. Ça va arriver après. Hein. Pour l'instant, c'est le début. Bourbon. Écoute, je dois aller à la station Harit pour affaire. Mais ce trottoir est fermé. Mais je connais un chemin, un passage maudit que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc tu m'aides à rejoindre Harit, et je te donne mon calache une fois là-bas. Entendu? Ok. Bon. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. Mais tout le monde me donne des munitions, hein. C'est fou, moi je suis prêt à tout. Inutile de rester dans ce trou. Okay. On est tout, nous. On est des ouf. On est des ouf. Allez. Oh, bah alors... ouvre la porte. Non. Allez, on y va. Bon, allez. On arrête de faire un peu le con. Et voilà. C'est où? Oh. Ça, c'est mon passage maudit, mon petit. Bon, il va arrêter de chanter, lui. Il va me faire flipper à chanter comme ça. Merci, tu m'as ouvert la porte. Et voilà. Les tunnels perdus. En entrant dans le tunnel abandonné avec Bourbon, je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, voilà. Je les passe, mais vous me direz vraiment si vous voulez que je les passe ou pas. Andrézine est terminé. Comment il a fait ça? Les sont morts dans ces tunnels. Ah voilà. Mais si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Ah, c'est qu'un simple rôdeur. Il attaque rarement les groupes. Et si t'es seul, méfie-toi. Les rôdeurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bébêtes dans ces trucs. Oula, chauve-souris. Ouf. Oulala. Il n'a pas eu de chance, lui, hein. Je sais rien, mais moi, c'est ce que je vois, hein. Ça fait défoncer les couilles en même temps. Bon, on continue. On va pas s'arrêter sur tous les morts. Allez. Nous sommes dans le métro. Alors là, je suis Paris, Strasbourg, Saint-Denis. J'ai entendu parler de tuyaux qui chantent. On dit que si t'écoutes Strasbourg, Saint-Denis, tu peux entendre les voix des morts. Moi je tourne. Hein. Ne fais surtout pas de bruit. Il doit y avoir un barrage dans le deuxième tunnel. N'attirons pas leur attention. Oui, il y a un machin là-haut. Oh
putain, regardez. Ah bah non, ils sont partis. Ouh là là. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Je vais apprendre à bouffer, hein. T'as cru franchement que t'allais me bouffer, hein ? C'est quoi, c'était horriblement bon. On va se soigner. Oh non. C'est ma lampe, je sais plus comment on se soigne. Oh, c'est pas grave. On va rejoindre l'autre. Ah, des munitions. Ah, des grenades. Attends, j'ai pas fait esprit. J'ai fait attaquer par des bonhommes. Ouais. J'ai ça comme fusil. Oh merde. Je te tire dessus, mon petit. H. J. C'est le masque. Moi, je passe par le train. Ah bah lui aussi, mais. Merde. On peut pas. On bat. T'es reparti ? Ah ouais. Merde. Il est encore mort. On le sent pas trop là. Merde, la caravane. Ils sont tous morts. Cette façon de faire, c'est les bandits. Et Hanza qui se targue de les avoir éliminés, hein. Reste sur tes gardes. Ils vont pas nous laisser passer comme ça. Système d'alarme. Sommaire, mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. Ok. Faut pas toucher les boîtes de conserve. Pas toucher les boîtes de conserve. Attention où tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Oula, un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-cou. Tu saisis ? Comment je fais ? Voilà. Ok. Chut, des invités. Cache-toi dans ce coin et admire le talent d'oncle Bourbon. Ça leur apprendra. Tu peux prendre le couteau comme trophée, vivre. Vite. Oh, il l'a bien eu. Il faut qu'on approche. Tu peux charger de la patrouille. Je vais essayer de me recharger. Merde. Quoi ? Bon allez. Qu'est-ce qui se passe ? Personne ! Une souris ! Découpage de petit. Tenez-vous prêts, on a des visiteurs. Silence. Silence. Crève, crève, bâtard. On a des blessés. Ok, bon vu. Ils veulent jouer à qui veut gagner ? Qui veut gagner ? Et voilà. Bonne nuit, bande de fillettes. Bande de fillettes.
Alors, je suis un normal, hein, je vous le dis. Attends. Voilà la grenade. Merde, grenade. Et voilà. On a des blessés. Ce branleur a tué notre homme. Dégage toi. Voilà. Alors attention. Merde, j'appuie sur mauvaise touche. Merde. Et merde, j'appuie sur mauvaise touche.